Dans cette vidéo-là, nous voyons l'Asie of Regions bounded by two graphs. Premier exemple, the curve y is equal to 2 square root of x intersects the line y is equal to x at the point 4, 4. Alors, ce point que tu l'as besoin de, se coordonne de 4, 4. Next, Didier. Find the area of the shaded region bounded by the curve and the line. Alors, nous n'avons pas area of region bounded by the curve and the line. Ça peut être jaune là, nous pouvons avoir ce area. Alors, si nous intégrons l'équation curve là, les 2 square root of x, nous sommes capables d'écrire comme 2x power half. Ça, c'est nos curves. Si nous intégrons from x is equal to 0 to x is equal to 4. Si nous intégrons l'équation curve là, ok, nous pouvons gagner tout ça dans l'area qui m'a pêché là. Parce qu'il est en bas curve, from x is equal to 0 to x is equal to 4. Ok, right, allez, au moins nous essayons de faire ça, nous gagnons beaucoup qui est devenu. 2x nous ajoute n de power living 3 sur 2, divise par nouveau power de 3 sur 2. Next, nous pouvons remplacer nos limites, et on a 4 avec 0. Next, vous pouvez trouver le coefficient où on a pour faire 2 divisé par 3 sur 2. Right, et 2 divisé par 3 sur 2, il fait 4 sur 3. Si vous faites ça, 2 là divisé par 3 sur 2, il devient 4 sur 3, x power 3 sur 2. Ok, et limite, on a 4 et 0. Nous remplacer, upper limit, li 4 sur 3, nous pouvons remplacer x par 4, 4 power 3 sur 2. Retirer le lower limit, 4 sur 3 fois 0 power 3 sur 2. Nous simplifier, rappelez bien que 4 power 3 sur 2 fait 8 et 4 fois 8, 4 fois 8 fait 32, devine 32 sur 3. Retirer ici de pouvine 0, réponse pouvine 32 sur 3 units square. Et ça, déjà qui nous rôde là, right là, il y a un overestimate, ça veut dire plus qui déjà qui j'y croyais, nous pouvons utiliser sa partie jaune là. Alors nous pouvons utiliser sa partie blanche là. Alors, cette partie blanche que vous pouvez trouver là, il y a un triangle. Ok, il y a un triangle, un right angle triangle. Ce base, 0,4 distance, là, les 4. Et ce hauteur, il y a une y coordinate de sa point of intersection là. Et nous trouvons la coordinate, ça, les 4, 4. Veut dire y coordinate là, les pour 4. Alors, et là, qui est pour venir, ce triangle là, et là, nous avons fait la formule half times base times height. Divine half fois 4 fait 8, divine 8 units square. Ok, alors sa partie et dans la curve là, li inclut sa partie jaune avec blanc là. Nous avons besoin de tirer sa partie blanc là et sa triangle là, li 8. Alors pour nous gagner shaded area, pour nous gagner shaded area, nous pouvons prendre area under curve qui nous gagne 32 sur 3. Nous pouvons retirer 8 et 32 sur 3 retirer 8, réponse pour 22. 2 sur 3 units square. Ça c'est réponse pour exemple N. Next, c'est une deuxième méthode pour faire ça des voilà. Deuxième méthode, nous tu peux intégrer curve là sur équation, c'est curve sur équation from x is equal to 0 to x is equal to 4. Ok, là nous pouvons tout ça dans l'égeo là. En bas sa curve là jusqu'à nos x-axis. Et inclure sa partie blanche avec jaune là. Next, nous pouvons besoin subtract. Si nous pensons ça la ligne là comme un graphe et que nous avons sur l'équation de y is equal to x, alors nous allons prendre la ligne là sur l'équation, pareil, nous pouvons integrer from x is equal to 0 to x is equal to 4. Ok, right là, ça veut dire qu'il peut arriver ici. Si vous prenez area under curve, vous prenez tout ça. Vous pouvez retirer area under line, pareil, pour intégrer l'équation graphe là, alors qui peut arriver ici, nous intégrer from x is equal to 0 to x is equal to 4, équation nous curve de 2 x power half dx. Là, nous pouvons besoin subtract ça déjà under the line, et que la ligne nous a sur l'équation y is equal to x, alors nous mettons x ici, nous pouvons intégrer ça from 0 to 4. Vous pouvez trouver que vous pouvez avoir la même réponse, 2, 2 sur 3 units square. Exemple 2, nous avons une curve y is equal to x square minus 4 et une ligne qui peut intersecter y is equal to x minus 2. Tous les deux peuvent intersecter le point B avec le point C. Ok, et point A, c'est sa point que la curve peut venir sur un x-axis.
question je finds the coordinates of A, B and C. Alors pour gagner B et C se coordinates, nous capable solve simultaneously, nous prend équation nous la ligne et équation nous curve, nous solve simultaneously, nous equate ici et vous venez x square retiré 4 égale x retiré 2. Nous solve sa deux équations là simultaneously, c'est la substitution method. Right, ici y égale x square retiré 4, nous peut remplacer de y là ou là. Divin x square retiré 4 égale x retiré 2. Ok, divin x square, nous avons x à gauche, nous pouvons retirer x. Après ici nous avons négatif 4, et négatif 2, nous avons à gauche, divin positif 2, ça égale 0. Divin x square retiré x, négatif 4 plus 2 fait négatif 2 égale 0. Ça c'est nous factorise. Divin x plus n, x retiré 2 égale 0. Là, si nous faisons a à 0, nous pouvons x égale négatif n et x égale 2. Alors, nous point of intersection, nous pouvons b sur x coordinate pour 2. La position qui était, c'est pour une négative x coordinate, nous pouvons prendre négative n. Next, nous pouvons avoir chacun autre y coordinate. Comment nous pouvons faire ça? Sa réponse x qui nous gagne là, nous pouvons remplacer de, soit de la ligne, soit de curve. Le plus facile de la ligne là. Nous remplacer y égale x retiré 2. Y égale x c'est négative n, négative n retiré 2, réponse est négative 3. Et c'est négative 3. Next, quand x égale 2, y égale x retiré 2, nous remplace x ça par 2. 2 retiré 2, y pour 0. Et de toute façon, point B, il y a un point de x-axis, alors sur y coordinate pour 0. Next, nous pouvons avoir A sur coordinates, A c'est point que nous curve y sur x square retiré 4, besoin x-axis, alors nous pouvons mettre y égale 0. Pour gagner sur x coordinate, divin x square retiré 4 égale 0, x square pour 0 plus 4 fait 4, x pour venir plus ou moins square root 4, x pour venir plus ou moins 2. Ça veut dire qu'il y a deux points, deux places que la voilà, besoin x-axis, vraiment il y a deux places. Et là, que B là, nous connaissons les positifs 2 sur x coordinate, et que A là, nous pouvons prendre l'autre x coordinate là pour négatif 2. Ça veut dire A sur x coordinate pour négatif 2, y coordinate pour 0 parce qu'il y a un point low x-axis. Ça c'est A, B avec ses autres coordinates. Partie B finds the area of the shaded region bounded by the curve and the line. Là nous pouvons faire extra attention. Parce que shaded area là est en bas x-axis, alors que nous pouvons intégrer, nous pouvons expect pour gagner une négative value. Alors nous pouvons faire extra attention. Alors point C, nous trouvons que point C sur x-coordinate est négative n. Nous pouvons bien ça ici. Parce que shaded area là, il commence avec sa vertical line là, x is equal to negative 1. Et qu'il continue jusqu'à x is equal to b sur coordinates de 2, 0. Ça veut dire sa point là, il peut le 2. Ok? Right. Alors, si nous avons un point intégré, nous pouvons intégrer plus gros là, ça veut dire area under the curve. Là, la bounded prend depuis négative n pour jusqu'à 2 et x-axis. Nous pouvons tout ça area là si nous intégrons. Alors nous pouvons intégrer l'équation de curve, le y is equal to x square retiré 4, nous pouvons intégrer ça with respect to x. From x is equal to negative 1 to x is equal to 2. Et nous pouvons expect pour une negative value à cause area là est under the x-axis. Alors nous pouvons mettre un negative value pour faire une positive. Ok, ça c'est area under curve. Next, nous pouvons gagner area sa partie ici là parce que nous pouvons subtract. Parce que nous pouvons faire cette intégration là, que nous avons montré où, nous pouvons gagner tout ça. Mais ça vous tape en plus ce triangle là. Nous pouvons faire la formule half base times height ou nous pouvons intégrer ça la ligne là. Ok, commence depuis négative n pour jusqu'à 2, dx. Alors qu'il nous faire, nous pouvons intégrer, prendre depuis négative n pour 2, équation la ligne là de x retiré 2. Nous pouvons intégrer ça with respect to x. Et nous pouvons expect pour gagner négative value. Ok, nous n'avons pas besoin de faire une positive, alors nous mettons une négative devant lui. Et next, nous avons besoin de prendre ça area ici là, area under the curve pour gagner en plus. Nous avons besoin de subtract area under the line. Alors ça a des réponses là, nous pouvons subtract ça. Et quand nous pouvons évaluer, réponse pour venir 4.5 units square. Nous corrigeons le classwork question N. Find the area of the region enclosed by the curve y is equal to 1 plus cos x and the line y is equal to 1. Ok, là, voilà ce qui est tricky, c'est nous pouvons avoir sa point of intersection là. Ça l'est pour bien pour autant. Right, ça a deux x coordinates là qui peut être.
OK, alors nous besoin solve simultaneously, nous prenons l'équation de curve 1 plus cos of x, nous équivalent avec l'équation de la ligne de n, la ligne cos of x égale n retiré n fait 0, et ici vous pouvez avoir qui angle? Qui angle pour venir cos inverse of 0, et si vous faites cos inverse of 0, réponse vient pi by 2, ou 90 degrés, ça c'est cos 2, cos inverse 2, 0. Next, nous pouvons check le même quadrant. Ici, tout le même quadrant acceptable. Ok, parce que cos li 0. Alors, nous pouvons accepter toute bonne réponse dans le même quadrant. Mais vous trouvez que la première réponse là, ici, right, ici là, il y a le first quadrant. Ok, il y a une réponse. Après 0, première valeur, il provient de first quadrant. Et le first quadrant, nous accepter ici là, pas, pi by 2. Next, il y a une symmetrical curve. Y-axis, c'est line of symmetry. Alors, sa distance à pi by 2, distance à gauche, c'est pour négative pi by 2. OK, next, nous pouvons intégrer. Nous allons intégrer l'équation de curve, le 1 plus cos of x. Nous pouvons intégrer ça with respect to x. Quand tu commences depuis x égale négative pi by 2, poil upper limit, tu pouvais x égale pi by 2. Et si nous faisons cette intégration, nous pouvons from négative pi by 2 to pi by 2, nous pouvons tout ça dans l'égide là. Next, nous pouvons tirer ça égide under the line là. Alors nous pouvons subtract, nous pouvons intégrer. Line là commence depuis x égale négatif pi by 2, quand nous shaded region. Il passe jusqu'à x égale pi by 2. Équation de la ligne, c'est y is equal to 1. Nous pouvons intégrer ça with respect to x. Là, nous évaluons la réponse pour 2 units square. Question 2. Question 2, get là, nous avons une curve. Nous avons une area under the curve. Il commence avec x égale 0. Ça, c'est la ligne x is equal to 0. Il termine avec la ligne x is equal to 2. OK, si nous pouvons intégrer la curve là, from x is equal to 0 to x is equal to 2, de 2 plus 3x, retirer x squared. Si nous faisons ça, nous pouvons tout ça chez la région là. Next, nous pouvons retirer sa partie blanche qui est là ici là. Alors là, il y a un square, ça sur l'end fait que c'est 8 tout des 2. Ok, 2 et 2, et je là pour venir 2 times 2. Et 2 fois 2, réponse 24. Ou un élève est capable de prendre ça la ligne là, route sur l'équation, parce que nous pouvons retirer et under this line. Il y a une horizontal line qui peut couper l'axe sur 2. Sur l'équation, c'est y égale 2. Alors nous pouvons retirer sa bout en plus là, c'est en bas la ligne là, y is equal to 2. Nous pouvons intégrer ça from x is equal to 0 to x is equal to 2. OK, nous simplifier réponse finale pour venir 3 entiers units square. Question 3. Nous avons une curve ici, y is equal to 3x square plus 2. La ligne y is equal to 14 et y axis. Nous avons pour autre sa region qui bounded là, ce area. Alors ça c'est la ligne y is equal to 14 and horizontal line qui coupe y-axis de 14. Si vous pouvez avoir votre point of intersection, comment pour votre point of intersection, ce so y-coordinate est pour 14, c'est obvious, ce so y-coordinate est là pour 14, mais ce so x-coordinate, comment pour gagner ça, vous allez solve simultaneously, nous équivalent ça de là. 3x² plus 2 égale 14, 3x² égale 14, retirer 2 fait 12, x² pour venir 12 divisé par 3 fait 4, x pour venir plus ou minus square root 4, x pour venir plus ou minus 2. Alors, ça la ligne que là, peut besoin de deux places, que x égale 2, que x égale négatif 2, capable à gauche, tu peux besoin encore. Mais ici, depuis origine, nous payons à la droite, veut dire x se valait, nous payons expecter pour positif. Réponse pour venir positif 2. OK, right, alors ici, ça la ligne c'est x is equal to 2. Ici, c'est x is equal to 0. Alors, si nous intégrer, prendre depuis x is equal to 0, pour x is equal to 2, si nous pouvons intégrer en bas curve là, si nous pouvons intégrer en bas curve là, là nous pouvons gagner sa bout là. Fais bien attention. Nous pouvons prendre déjà under the line y is equal to 14, là nous pouvons gagner plus beaucoup, sa bout là net. Ça veut dire y is equal to 14, nous pouvons intégrer ça with respect to x. Là qui nous pouvons retirer déjà under the curve. Déjà under the line de nous plus beaucoup, jusqu'à x-axis. Nous pouvons retirer déjà under the curve. Là, il y a un sabout qui est en plus qui nous parle là. Alors, nous pouvons retirer là, ça déjà under the curve. Nous pouvons prendre x égale 0 to x is equal to 2. Alors, depuis x égale 0,
to x is equal to 2, équation ou curve, les 3x squared plus 2, nous pouvons intégrer ça with respect to x, nous faisons cette subtraction là, réponse finale pour venir 16 units square. Next, nous avons besoin de area of shaded region, get ça area of shaded region là. Ok, nous, la ligne avec nos curves, nous connaissons que tu as besoin, dépend de nous à rôder. Ici, c'est que x égale 0. Right, y peut venir 3. Next, ici, nous terminons que x égale pi by 2. Y coordinate pour 0. Là, donc, il y a intégration nous pour faire. Si nous intégrons en bas la ligne là, nous pouvons gagner sa partie blanc là. Si nous intégrons en bas la curve là, nous pouvons gagner sa partie jaune là avec blanc là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prendre la curve là. Les 2 sine of 2x. Plus 3 cos of x, nous pouvons intégrer ça, prendre depuis x égale 0, voire x égale pi by 2. Si nous faisons ça, nous pouvons gagner tout ça et là, en bas curve là, inclure sa partie blanc en bas la ligne là. Alors pour gagner 10 shaded et nous pouvons besoin retirer l'équation ça la ligne là, nous pouvons besoin redire là, nous ne pouvons pas l'équation la ligne là. Pour gagner l'équation la ligne, nous pouvons besoin connaître ce gradient, une inclined line. Nous prenons ça des endpoints là, ici les coûts 0, 3. Et qui peut terminer ici, code pi by 2, 0. Si nous avons gradient y2 minus y1 over x2 minus x1, il est négatif 3 sur pi by 2. Il est négatif 3 divise par pi by 2, qui est négatif 3 fois 2 sur pi. Nous simplifions la réponse pour venir négatif 6 over pi. Alors, l'équation là, pour venir y égale m, il est négatif 6 over pi, x plus 6. Si c'est ce y-intercept, il y a bien si c'est debout 3. Alors, équation de la ligne qui nous peut subtract, il peut commencer avec x égale 0. Poil jusqu'à x égale pi by 2. Et équation là, négative 6 sur pi, qui nous peut acter as a constant, x plus 3 dx. Là, nous évaluer, nous pouvons trouver une réponse pour 25 retirer 3 pi sur 4, autant units square.